messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission spéciale de Noël, la parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé du secteur Est de la MRC du Rocher-Percé, M. Serge Tidjani. Alors, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, cher Nico, et vous qui nous écoutez, joyeux Noël! Oui, c'est une journée très, très spéciale au niveau de la religion catholique aujourd'hui. Oui. Et j'en profite, moi aussi, pour vous souhaiter un joyeux Noël, M. Serge. Merci, merci. Puis je pense que c'est le vœu qui fait notre joie. Joyeux Noël, tout simplement. Et on va débuter l'émission en soulignant que, normalement, aujourd'hui, ça se trouve à être l'anniversaire de Jésus, c'est bien ça? Vous dites l'anniversaire, puis j'en souris parce qu'il y en a qui vont vous dire à la maison, on n'a jamais vu le certificat de naissance de Jésus. Puis je leur dirai, vous le prouver? Comment pouvez-vous le prouver? Puis je leur dis, c'est vrai, Jésus n'est peut-être pas né sur un calendrier du 25 décembre, mais ce n'est pas seulement un calendrier que nous célébrons aujourd'hui. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est de dire Dieu est devenu un être humain et a vécu notre humanité. De la façon avec laquelle on a introduit l'émission, peut-être expliquer aux gens, en faisant une petite parenthèse, du pourquoi d'avoir choisi le 25 décembre. Le 25 décembre. Comme jour où on fête la naissance de Jésus, ça va peut-être éclaircir. Ça va peut-être éclaircir les gens. Il faut savoir que la foi chrétienne s'est inculturée. C'est-à-dire, elle a quitté la matière brute de son contenu des origines chez les Juifs pour s'intégrer au fur et à mesure au peuple où à la rencontre desquelles elle est allée la foi. Et ce qui est arrivé avec le mystère de Noël, l'événement était là, qu'on célébrait la naissance de Jésus. Mais quand le christianisme est passé en Occident, très tôt, les peuples d'Occident célébraient le dieu soleil, célébraient les jours qui deviennent plus longs, comme vous le savez, lorsqu'on entre vraiment en hiver, les jours commencent à se rallonger. Depuis quelque temps, on voyait comment ça raccourcit. Alors, les gens célébraient le soleil qui revient enfin. Et ils le célébraient avec le solstice d'hiver, donc 21, 22, 24 décembre. Mais pour aider les païens qui se convertissaient au christianisme à ne pas continuer à mêler leur nouvelle foi avec l'ancien culte qu'ils avaient au soleil, on dit, la parole de Dieu nous dit clairement que Jésus, c'est le vrai soleil de notre vie. Alors, nous allons fêter le vrai soleil de notre vie le jour où le soleil redevient plus long. C'est comme ça que le peuple d'Occident, à laquelle la plupart de ceux qui m'écoutent appartiennent, a adopté Noël, a célébré la naissance de Jésus, soleil qui vient illuminer le monde, a adopté à cette date-là. Et ça a pris le monde entier. Donc, c'est pour ça que je dis, l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas la date du calendrier, mais l'événement lui-même. Et justement, quel est le sens que cet événement-là prend pour l'ensemble de l'humanité? Deux. Moi, je m'en limite à deux aujourd'hui, mais qui veut dire la même chose. Sens primordial, Dieu est devenu l'un de nous. Et la lettre aux Hébreux, je le cite quasiment chaque année quand on parle de Noël, Hébreux 1, 1 à 4, Dieu, après avoir de diverses façons et à maintes reprises parlé à nos pères, a décidé en ces jours qui sont les derniers de nous parler par son Fils et d'envoyer son Fils. Qu'est-ce que ça nous dit? Noël, c'est comme le sommet d'une longue marche qui a commencé dans la relation, l'alliance entre Dieu et l'humanité depuis le commencement. Depuis le commencement, Dieu a envoyé des anges. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des signes pour communiquer avec l'être humain. Mais rendu à une étape importante pour lui, il a décidé qu'il devenait un être humain pour aller communiquer avec l'être humain. Et c'est le premier sens de Noël. Saint Augustin va le dire d'ailleurs, Dieu est devenu un être humain pour que l'être humain à son tour puisse monter vers Dieu, puisse devenir divin. Alors aujourd'hui dans le mystère de Noël, nous célébrons Jésus qui descend à nous pour que nous aussi, nous puissions monter à Dieu. C'est la fusion totale, l'alliance totale vraiment de l'être humain avec Dieu qui se vit. Et je disais deux sens, moi c'est le plus beau pour moi. L'autre sens, c'est celui que nous retrouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il avait du Père depuis le commencement. Le Verbe,
Quand on retourne au livre de la Genèse, le Verbe, c'est la parole avec laquelle Dieu a créé le monde. Et Jean va nous dire, et le Verbe était Dieu. Donc, pour nous, c'est le début de la nouvelle manifestation de notre foi que nous célébrons. Dieu ne se contente plus de nous parler. Dieu nous aime si fort qu'il devient l'un de nous. Et quand il devient l'un de nous, il assume tout comme nous. À l'époque, il était annoncé comme étant qu'il allait naître. Les autorités en place ont même, à un certain point, essayé d'avoir un certain contrôle là-dessus. Et malgré tout, les Écritures se sont quand même réalisées. Se sont réalisées. Parce que justement, tout le monde attendait le Messie. C'était promis. Les autorités en avaient peur. Ouais. Parce que la question du Messie, est-ce que ce Messie-là va devenir un Messie politique, comme David, comme Salomon, comme tous les guerriers d'Israël, alors que le peuple vit comme une oppression sous les Romains? Alors, ce Messie-là va-t-il faire lever les âmes? Alors, il y avait cette crainte-là. Et même à l'intérieur, vous le verrez, on va le célébrer encore autour de Noël, Hérode, qui était roi bien confortable sur son siège, mais qui, quand on lui dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» il panique et il le fait chercher et malheureusement, il tue même d'autres enfants. Exactement. Alors, le Messie était attendu, mais le paradoxe, c'est que quand il arrive, il y en a plein et plein qui manquent le rendez-vous. Et quand on dit plein et plein, il faut préciser, c'est surtout l'élite, les grands savants. Alors que les bergers, les pauvres gens, eux, ils sont capables de détecter, de recevoir le message de l'ange et d'aller à la crèche. Voyez-vous, quand on est à la crèche de Noël, ce n'est pas des couronnes de roi qu'on a, ce n'est pas la couronne d'Hérode, ce n'est pas le sceptre de César qu'on a, c'est quelques bergers avec leurs bâtons et leurs moutons qui sont là, parce que c'était le monde qui avait le cœur le plus simple, le plus ouvert, à accueillir le Messie sans se sentir menacé, mais plutôt libéré. Est-ce que la naissance de Jésus, on peut dire que c'est l'affaire de tous, que c'est l'affaire de l'ensemble des chrétiens? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des gens qui habitent la planète Terre? C'est plus que pour les chrétiens. Et heureusement qu'on finit, j'ose le dire comme ça, qu'on finit par comprendre que Jésus, ce n'est pas juste le Dieu des chrétiens. Nous, nous avons eu ce privilège de pouvoir y croire. Mais Jésus, quand il venait dans le monde, il n'a pas dit « je viens sauver les chrétiens, j'abandonne les juifs, je ne veux pas des païens ». Non, Jésus est venu pour toute l'humanité. Et c'est important de comprendre ça. C'était très important. Et moi, je trouve, c'est pour ça d'ailleurs que quand on rentre dans le débat de « faut-il dire joyeux Noël, faut-il joyeux ?» Je dis non. Disons joyeux Noël, joyeuse naissance de Dieu qui sauve l'humanité. Moi, je ne demande pas aux gens qui ne sont pas chrétiens s'ils y croient ou s'ils n'y croient pas. C'est ma foi. Et je la vis. Et je la partage. Et ça me réjouit de savoir que Dieu s'est fait l'un de nous. Et je suis encore plus content de savoir que mon Dieu, celui que j'adore, il sauve le monde entier. Il ne me met pas juste pour me dire « c'est juste toi que je veux sauver », mais peu importe qui nous sommes, Jésus est venu pour nous tous. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Le « nous », c'est toute l'humanité. Et Jésus, ce n'est donc pas le privilège des chrétiens. Et c'est ça la beauté du message. Et c'est inclusif aussi comme message, et ce qui en fait la beauté du jour de Noël. Hein? Et puis vous voyez, que l'on soit d'accord de dire Noël ou pas, vous voyez, tout le monde embarque dans la fête de Noël. Tout à fait. Et je pense que c'est d'ailleurs une façon pour nous de voir comment un événement, que nous soyons des gens qui y croient 100%, 50% ou 0%, un événement comme celui-là est capable de rassembler l'humanité. Ça nous montre que le salut que Jésus nous apporte, c'est vraiment le salut de l'humanité. Voilà. Donc, en ce temps de réjouissance, on pourrait peut-être terminer, M. Serge, avec vos vœux. Mes vœux, mes chers amis. Moi, ce que je voudrais d'abord vous souhaiter, c'est de vivre Noël avec beaucoup de joie et d'accueillir Jésus comme la bienveillance de Dieu, l'amour infini de Dieu. Dans la nuit de Noël, on va le relire. Voilà ce que fait l'amour invincible de Dieu. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes dans vos maisons, je veux que la joie de Noël entre dans vos cœurs. Et c'est ce que je vous souhaite. Que la joie de Noël apporte la consolation dans vos peines. Que la joie de Noël vous réchauffe le cœur
au cœur de tout ce qui peut vous démobiliser, démotiver. Que la joie de Noël vous transforme pour que vous et moi, nous puissions transformer le monde. Noël, c'est un événement spécial. Dieu est l'un de nous. Ce que vous vivez d'heureux, Dieu l'a vécu avec vous. Dieu l'a vécu avant vous. Ce que vous vivez de moins heureux, Dieu le connaît aussi. Et Noël, c'est justement le Verbe fait chair, habiter parmi nous. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Je vous souhaite de vivre ce temps de Noël comme un temps où Dieu habite en vous, où vous habitez en Dieu. Je prends cette occasion pour remercier toutes les personnes qui travaillent dans nos communautés et dans nos villes. Que ce soit les autorités politico-administratives, que ce soit nos autorités civiles qui nous soutiennent, qui travaillent à bâtir nos cités, je veux prendre le temps ici de leur dire Joyeux Noël. Je veux prendre aussi le temps de dire Joyeux Noël aux 5 communautés que nous avons. Percé, Val d'Espoir, Cap d'Espoir, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière, à tous les fidèles de ces communautés, peu importe vos appartenances, peu importe vos pratiques, peu importe vos présences à l'église, je voudrais en ce moment-ci vous souhaiter un joyeux Noël avec cette ferme espérance que la joie de Noël vous transporte et vous donne encore le goût d'être plus heureux partout où vous passez. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui collaborent dans nos églises. En ces jours-ci, vous êtes passés sûrement dans nos églises, vous avez vu des décorations, vous avez vu des chants, vous avez entendu la musique, vous avez vu plein de gens qui ont mis la main à la pâte pour préparer ces fêtes dans nos églises, dans nos cours de presbytère, dans nos maisons. Je voudrais aussi les remercier. Que le Seigneur bénisse votre Noël. Que l'Emmanuel, Dieu avec vous, soit vraiment celui qui vous accompagne et qui vous donne la joie tous les jours. Qu'après Noël, la joie de Noël continue. Joyeux Noël. Et qu'après Noël aussi, vous puissiez entrer dans l'année 2015 avec la même joie qui vous aura animé. Joyeux Noël à vous et déjà bonne et heureuse année 2015. Et que Dieu vous bénisse. Et je me permets, en finissant cette émission qui sera la dernière de 2014, je me permets dans vos maisons de vous accorder la bénédiction du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël.